mettre l'eau dans une casserole avec le sucre semoule, porter à ébullition et éteindre le feu. Fendre en deux les gousses de vanille et les mettre à infuser dans le sirop chaud pendant une heure. Quand vous choisissez de la vanille, il faut choisir de la vanille toujours moelleux. Il faut que ça soit moelleux, il ne faut pas que ce soit des gousses de vanille sèches. Elles ont moins de goût. Dès que le sirop est refroidi, disposez les gousses de vanille sur la plaque du four et les enfournez pendant 2 heures à 80 degrés. C'est une préparation qu'il faut préparer bien à l'avance. Et c'est une préparation qu'on peut faire le matin pour le soir, mais qu'on peut faire également la veille. Parez les petites bananes et les coupez en morceaux. Prélevez un quart d'ananas et le coupez en morceaux. Transpercez chaque morceau à l'aide d'un pic en bois et montez les brochettes de fruits en alternance sur les gousses de vanille sèches. Disposez la plaque de turon dans le bol du mixeur. Le couper en morceaux. Versez la moitié du sirop refroidi. Mixez. Et vérifiez la consistance du coulis. Mettre à fondre le beurre. Ajoutez le sucre semoule. Mélangez. Laissez légèrement colorer. Et disposez les brochettes en les roulant délicatement dans le caramel pendant 4 à 5 minutes. Retirez les brochettes fondantes, les nappez de caramel et les dressez accompagnés du coulis de turon. Piquez de bananes et ananas coulis de turon. Pour 2 personnes, 4 bananes, un ananas, 30 g de beurre, 2 gousses de vanille, 180 g de sucre semoule et 200 g de turon.